So if you want to make learning miserable for people, alors si vous voulez rendre l'apprentissage misérable pour les gens, use language that implies they have no choice. Servez-vous d'un langage qui implique que la personne n'a pas de choix. Have to. Il faut. Can't. Tu dois pas. Should. Tu devrais. Must. Tu dois. So if you want to create resistance, alors si vous voulez créer de la résistance, or destructive submission, ou la soumission destructrice, use that language that denies choice. Servez-vous d'un langage qui fait le déni du choix. About 10,000 years ago, il y a quelques 10,000 ans, we evolved a certain value system. Nous avons mis au point un certain système de valeurs that supports domination structures. Qui est favorable à des structures de domination. Structures in which some people claim to be superiors and have a right to control others. Des structures où certaines personnes se réclament le droit d'avoir le contrôle sur d'autres. Some of these superiors call themselves kings. Certains de ces personnes supérieures s'appellent rois. Some of them call themselves czars. D'autres s'appellent tsars. Some call themselves corporate presidents. D'autres s'appellent présidents d'entreprise. Some call themselves presidents of countries. D'autres s'appellent présidents de pays. And the central learning that's necessary to maintain these domination structures. Et l'apprentissage qui est au centre du maintien de ces structures de domination is a language that we've been getting rid of tonight. Est un langage que ce soir nous essayons d'éliminer. A language of judging people's actions as good, bad, right, wrong, etc. Un langage où on juge les actions des autres comme bon, mauvais, etc. And a language that justifies punishment and reward. Et un langage qui justifie la punition et la récompense. So yes, there's a lot of people taught to think this way. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont appris à penser de cette façon-là. If you want to send thousands of young people to kill people in other countries, si on veut envoyer des dizaines de milliers de personnes pour tuer des gens dans un autre pays, you got to educate them in a certain way. C'est important de les éduquer d'une certaine manière. In schools, you get them used to authorities who use jackal language. On commence par les écoles, on les habitue à obéir à des autorités qui utilisent un langage chacal. You get them to believe that authority knows what's right. Et on les amène à croire que les autorités savent ce qui est juste et qu'une bonne vie, c'est une vie dans laquelle on reçoit des médailles et des récompenses de la part des personnes en position d'autorité. And when you educate them that way, et quand on éduque les gens de cette façon, oh, also make them watch television between the hours of 7 and 9 in the evening. Et attention, regardez bien la télévision entre les heures de 7h et 9h le soir. Throughout their childhood. C'est des enfants qui oui, c'est important pour conditionner ces personnes de leur faire regarder la télévision depuis leur enfance entre 7h et 9h le soir. Because during that time period when children are watching the most. Parce que c'est pendant cette période de temps où on dit que les enfants regardent la télévision le plus. In the majority of the programs. Que la majorité des programmes, des émissions. The hero either kills somebody or beats them up. Montre un héros soit qui tue quelqu'un, soit qui le frappe. Donc quand on arrive à l'âge de 18 ou 19 ans, on est bien éduqué à trouver normal d'aller tuer quelqu'un ou de le frapper si on considère que l'autorité nous dit que cette personne-là est mauvaise. Mais parfois on utilise une langue chacale un peu plus sophistiquée. You don't say they're bad people. On ne dit pas que les gens sont mauvais. You say they are, terrorists. On les appelle des terroristes. The good people are freedom fighters. En revanche, les bonnes gens sont des gens qui se battent pour la liberté. The bad people are terrorists. Et les mauvais sont des terroristes. And then you can get the nicest of young people to torture and kill other people. Et on peut comme ça amener tranquillement la plus gentille des personnes à devenir quelqu'un qui torture. But they need to be educated very early to do that. Mais c'est important de commencer son éducation très tôt pour l'amener à devenir quelqu'un comme ça. In schools that imply that teachers know what's right. Dans des écoles où on a cette habitude de voir que c'est l'autorité, donc l'enseignant, qui sait ce qui est juste.
In families where they're taught that the parents know what's right. Et on les éduque aussi dans des familles où c'est toujours les parents qui savent ce qui est juste. Then when they've had that education, et une fois qu'on a reçu cette éducation, they believe the president knows what's right. On pense tout naturellement que le président sait aussi ce qui est juste. And the good life is being obedient to authority. Et qu'une bonne vie est une vie où on obéit à l'autorité. And getting rid of the bad people. Et où on élimine les mauvaises gens.